suis là ici, Mami. Je suis un bénévole faisant partie de la structure PSD Environnement Sain et Durable. Je suis venu ici à la Riviera pour voir aider les sinistrés. Et en tant que bénévole, on va aider la population qui a été touchée par ce sinistre. Donc, c'est un peu ça. Point léger Aristide, bénévole à la Croix-Rouge. Je viens de la commune de Yopougon et je suis venu apporter mon aide à la population de Cocody. Et je crois que j'invite mes amis à venir massivement à pouvoir apporter l'aide aux habitants de Cocody. Moi, je suis le colonel Kwaku Kono. Je suis de l'Office national de la protection civile, coordonnateur opérationnel national des sinistres. Ce que vous voyez sur le terrain est coordonné par l'Office national de la protection civile. C'est une de nos missions de venir secourir ceux qui sont les sinistrés, ceux qui sont en danger. Et depuis le 19, suite à la pluie diluvienne, les éléments sont projetés sur le terrain avec tous les engins, tous les volontaires que vous voyez sur le terrain. Juste pour dire que il y a du travail à faire pour que ceux qui ont besoin d'être secourus soient disposés pour qu'on les aide. Malheureusement, dans certains quartiers, c'est dommage, hein, alors qu'on parle de solidarité, parce qu'on a vu sur le terrain vraiment vraiment de la solidarité. Mais il y a des gens, il y a des familles, des quartiers, comme à la Bra Réconciliation, c'est dommage. Mais les abris que l'État de Côte d'Ivoire a demandé qu'on mette à la disposition des sinistrés, les gens de à la Bra ne veulent pas. Et ils saccagent même les installations de alligators. Parce que pour eux, on va aller prendre des gens ailleurs pour venir les voler. Mais ce n'est pas normal, ce n'est pas possible. En Côte d'Ivoire, sur le territoire de Côte d'Ivoire, on veut aider vos frères, vous ne voulez pas. C'est dommage, mais bon, il y a dans certains quartiers, comme la rue Ministre, un peu partout où on intervient, les gens, ils sont disponibles et disposés à se faire aider. Voilà. Salut.